Le rêve du chasseur est l'une des rares zones du jeu dans laquelle on peut entendre une OST. En réalité, il y a deux OST qui correspondent à cette zone. Le changement entre les pistes sonores se fera suivant la progression du joueur ou si le personnage accumule 40 points de lucidité, démontrant encore une fois que la perception que ce dernier a du monde qui l'entoure est affectée par son taux de connaissance inhumaine qui provoque la folie. Ce qui est intéressant ici, c'est que la lucidité impacte même un élément extra-diégétique, c'est-à-dire un élément qui n'est pas présent dans l'endroit où se déroule l'action. Ce qui renforce le lien qu'essaie d'établir Japan Studio et From Software entre l'avatar et le joueur. Un lien que l'on a déjà vu au travers de la capacité du chasseur qui doit oublier ses émotions pour être victorieux dans la chasse et au travers de la violence dont il fait preuve pour se débarrasser des monstres. Élément supposé symboliser un certain degré d'enivrement par le sang, encouragé par le setting du jeu, par la nature même du chasseur ou du joueur qui se bat pour sa propre survie, et par la mécanique de ralliement qui pousse ce dernier à tirer des bénéfices en se montrant très agressif. À ce stade de l'aventure, et si le personnage a moins de 40 points de lucidité, c'est l'OST Hunter's Dream, composé par Ryan Amon qui se fait entendre. Ryan Amon est un compositeur américain qui a travaillé sur le film Elysium ou encore sur le projet Assassin's Creed Unity. C'est Hidetaka Miyazaki lui-même qui, au tout début du projet, avait présenté à l'équipe audio de chez Japan Studio, comme base de référence pour Bloodborne, l'un des albums de Ryan Amon appelé City of the Fallen Divinus. Sony a donc contacté Ryan Amon qui a ensuite été ajouté au projet. Cette OST est composée d'un alto et d'une soliste. Elle est très apaisante et contraste totalement avec la majeure partie des OST du jeu qui sont rapides, puissantes et dramatiques. Sur le côté de la chapelle Eudon, il y a un ennemi qui s'appelle un kidnappeur dans le guide officiel. On va se servir de cet ennemi pour atterrir dans une nouvelle zone. Yargul, le village invisible. En japonais, le nom de cette zone signifie Yargul, le village caché, ou le village dissimulé. Ce qui peut faire comprendre aux joueurs qu'il s'agit d'un endroit qui n'est pas supposé être connu de tous. Les démons accomplissent subrepticement leur rite d'appel de la lune, dévoiler leurs secrets. Cette note tenue par les messagers nous informe que des démons accomplissent des rituels subrepticement. Subrepticement est un mot qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le langage de tous les jours et qui signifie de manière furtive, mais aussi et surtout
illicite, à l'insu de quelqu'un ou contre la volonté de quelqu'un. Ce qui peut permettre de comprendre pourquoi cette ville est désignée comme « cachée » en japonais. Les rituels ont pour objectif d'appeler la lune, et les messagers conseillent au personnage de dévoiler un secret. Si on regarde cette note en japonais, on apprend que la lune est « cachée », précision qui n'apparaît ni en français ni en anglais. Souvenez-vous au passage que les messagers sont ceux qui permettent la communication entre chasseurs via le carnet, et que l'on peut considérer toutes les notes portées par les messagers comme des messages venant d'autres chasseurs, ce qui peut apporter une lecture intéressante vis-à-vis des notes et son lot d'interprétations. De plus, on a déjà rencontré certaines des informations partagées dans cette note. Au centre de Yharnam, la version japonaise de la note évoquait la destruction du vieux Yharnam une nuit de 7 lunes. Dans la chapelle de Don, une autre note signalait qu'une araignée cachait toutes sortes de rites. Une fois au vieux Yharnam, on est tombé sur une note expliquant qu'une lune rouge était basse. Et enfin, dans le tiers de cordon ombilical récupéré dans le vieil atelier abandonné de l'église du Remède, on avait vu que la lune pâle a été rencontrée grâce au cordon de l'œil, qui est un autre nom pour le tiers de cordon ombilical. Quant au démon, cela peut renvoyer au savoir de démon, voire aux tenues d'explorateur de tombes ou encore la tenue de démon. Pour l'instant, on sait simplement que les démons dans Bloodborne sont ceux qui ont été touchés par la sagesse occulte ou ceux qui sont partis à la recherche du savoir ancestral pour le compte de l'église du Remède dans les donjons du Calice. La sagesse occulte et le savoir ancestral renvoient tous deux à la même chose, c'est-à-dire la sagesse des grands. Un savoir tellement important qu'il provoque la folie de ceux qui entrent en contact avec ce dernier. Et enfin, lors de notre exploration des labyrinthes souterrains ptuméréens, on avait vu que les ptuméréens étaient entrés en possession de la vérité occulte des grands. Beaucoup d'informations qui se recoupent donc, même s'il est encore trop tôt pour recoller les morceaux. Dieu miséricordieux, aidez-moi. Au nom de l'église du Remède, purifiez-nous de ce rêve atroce. On entend une jeune femme qui est en train de prier. Elle demande de l'aide au Dieu miséricordieux. L'église du Remède pratique donc une religion polythéiste. La seule référence à des dieux dans l'univers de Bloodborne pour l'instant apparaissait dans le nom du boss gardien des dieux anciens, qui était un ennemi présent dans les donjons des Calices, un lieu dans lequel les grands, qui étaient endormis, disposaient de gardiens anciens à leur service. Ces habitants inhumains endormis dans les ruines souterraines ptuméréennes avaient d'ailleurs assuré leur propre protection en laissant derrière eux un chien de garde des seigneurs anciens également. On avait vu que dans les autres versions, ce chien pouvait s'appeler chien de garde des dieux anciens. Laissez-moi, ne me prenez pas, pitié, par pitié, que les dieux m'entendent. Ce personnage s'appelle Adela, et c'est une nonne de l'église du Remède. Si on lui parle, elle pensera que le chasseur est là pour l'emmener quelque part. En japonais, elle demande en boucle à notre personnage de ne pas l'emmener. Que les dieux m'entendent n'apparaît pas. Afin de pouvoir lui parler, il faut que notre personnage porte une tenue de l'église du Remède. Même si ce personnage est vêtu de la tenue noire des chasseurs préventifs de l'église du Remède, il est intéressant de noter qu'elle n'est pas une chasseuse. On le verra plus tard, mais elle semble ne pas savoir se battre. Oh, votre tenue, l'église du Remède, vous êtes là pour me sauver. Oh, merci, vous êtes une sainte. Je n'ai pas de mots pour exprimer mon soulagement. Prenez au moins ceci. Un membre haut placé de l'église tel que vous saura certainement l'apprécier. Oh, merci infiniment. Par les dieux. Merci infiniment. J'ai été enlevée par une énorme brute dans une rue du faubourg de la cathédrale, puis
puis enfermée ici. Il y avait beaucoup d'autres prisonniers, mais ils ont été emmenés. Depuis, j'entends des gémissements résonner au loin. Alors, la chasse est ouverte ce soir. Dans ce cas, les rues sont dangereuses et toutes les portes seront fermées. Ce n'est peut-être pas à moi de vous demander ça, mais connaissez-vous un endroit où on pourrait m'accueillir ? En lui parlant de nouveau, Adela identifie le chasseur comme un membre de l'église du Remède. Elle le remercie d'être venu la sauver en lui donnant un savoir de dément en disant qu'un membre haut placé de l'église saura apprécier ce cadeau. A partir de là, il est intéressant de voir que les savoirs de dément semblent être une récompense très appréciée des membres de l'église du Remède. Ce sont des objets qui donnent de la lucidité, c'est-à-dire de la connaissance inhumaine qui peut mener à la folie. On avait déjà vu que l'église du Remède avait connaissance des labyrinthes souterrains tumériens grâce à l'héritage de Bergenworth qui les avait découverts. Des labyrinthes dans lesquels se trouve une connaissance telle que les trésors ordinaires sont laissés aux chasseurs, alors que l'église du Remède, elle, ne s'intéresse qu'aux secrets les plus enfouis des grands. On avait aussi vu que l'église du Remède avait en son sein des chasseurs noirs préventifs qui avaient des connaissances médicales et que certains organes étaient récupérés par l'église du Remède sur des morts et sur des personnes vivantes pour se rendre dans le tombeau des dieux grâce à un rituel de consommation de sang dans un calice sacré appelé la communion. Un tombeau des dieux dans lequel l'église envoyait des explorateurs parmi lesquels certains sont devenus fous parce qu'ils sont entrés en contact avec la sagesse des grands. Il est donc normal de voir que ce genre de cadeau ait autant de valeur au sein de l'église du Remède, car cela permet d'accéder à la sagesse occulte sans même se risquer à partir explorer les labyrinthes souterrains tumériens qui sont remplis de monstres. Adela indique ensuite au personnage comment elle est arrivée ici, et lui signale que plusieurs personnes étaient avec elle, mais tout le monde a été emmené. Pour finir, Adela comprend que la chasse est en cours et demande au personnage s'il ne connaîtrait pas un lieu dans lequel elle pourrait s'abriter. Oui, je vois, je comprends. Ce sont les dangers d'une nuit de chasse. Je demanderai à l'une de mes connaissances du faubourg de la cathédrale. Il m'ouvrira peut-être la porte. Peut-être. Oui, oui, ça ira. Je ne souhaite pas vous importuner plus longtemps. Vous êtes une chasseuse, je crois. Je prie pour que votre chasse soit fructueuse. Si on ne lui fournit aucune information, Adela dira qu'elle comprend et qu'elle demandera à l'une de ses connaissances du faubourg de la cathédrale si elle peut se réfugier chez elle. Dans cette partie du dialogue, il est intéressant de noter que toute personne à Yharnam semble savoir ce qu'il faut faire en temps de chasse. Jusqu'à maintenant, on avait croisé des habitants qui essayaient de rester chez eux et d'autres qui cherchaient un endroit sûr. On sait que la chasse est récurrente à Yharnam. Il est donc normal que les habitants aient adopté certaines habitudes afin de se protéger des monstres en attendant l'aube qui finit toujours par arriver. Si on tue Adela, elle dira « Qu'ai-je fait ?» Sans doute elle se demande ce qu'elle a fait pour mériter qu'on la tue, et on obtient une rune de Caril dont on discutera plus tard. Oh, merci infiniment. J'irai dès que possible. Je prie pour que votre chasse soit fructueuse. Brave chasseuse.
Les rites cauchemardesques ont besoin de l'enfant de sang. Trouvez l'enfant et faites taire le cri glaçant. On retrouve dans cette note l'histoire des rites qui sont qualifiés de cauchemardesques. Cette note fait écho à la note précédente des messagers. Les démons ont besoin de l'enfant de sang pour accomplir leur rituel d'appel de la lune. A noter qu'à côté de cette note, on peut voir un cadavre d'un enfant dont la tête semble être piégée dans une cage étrange. Ce cadavre d'enfant se trouve juste en dessous d'une statue qui rappelle les statues qui ornaient le grand escalier à l'entrée de la grande cathédrale. Lune, symbole secret laissé par Caril, forgeur de runes, Burgenworth. Transcription du mot lune dans la langue des grands vivants dans le cauchemar. Obtenez davantage d'échos du sang. Les grands vivants dans le cauchemar sont miséricordieux et répondent souvent lorsqu'on fait appel à eux. C'est une autre rune secrète de Caril, forgeuse ou forgeur de Burgenworth, créée à partir de la langue des grands. Il s'agit de la transcription du mot lune. Le fait que des grands se trouvent dans le cauchemar peut être un lien avec les murmures qu'on a pu entendre résonner dans le cimetière de Hemwick Charnel Lane. Vous entendez le cimetière qui murmure? Alors le moment est proche. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai tellement hâte. Pour rappel, le cauchemar est le nom donné à toutes les zones du jeu qui ne font pas partie du rêve du chasseur. Même si on avait vu que le rêve du chasseur lui-même est appelé parfois en japonais le cauchemar du chasseur. Et le cauchemar du chasseur, c'est aussi une zone dans laquelle finissent tous les chasseurs enivrés par le sang de la chasse aux monstres. Bref, c'est très confus, mais encore une fois, c'est sans doute volontaire. Cette rune permet de récolter plus de volonté du sang, ou d'écho du sang. La dernière information intéressante ici, c'est que les grands peuvent faire preuve de pardon et répondre à celui qui les appelle. Comme souvent, le nom de cette rune apparaît entre crochets en japonais. À Yargul, on croise un nouveau type d'ennemis appelé les collectrices dieux. Ces ennemis peuvent d'ailleurs laisser tomber un œil injecté de sang, voire même des galets, qui rappellent la forme d'un œil. La musique d'ambiance que l'on entend se compose de voix féminines aiguës et de voix masculines extrêmement graves. Elle est assez lugubre, inquiétante, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle s'intensifie au fur et à mesure que le chasseur se dirige vers l'extérieur des bâtiments. Cette fois-ci, ces chants sont intradiégétiques, ils font partie du monde dans lequel se déroule l'action. Le chasseur est en mesure d'entendre ces chœurs qui résonnent au loin. Il existe peut-être un rapport entre les chants et les rituels que les démons accomplissent dans ce village caché de Yargul. Regardez, un ciel de pâle sang. On va laisser de côté ce message des messagers pour l'instant, puisqu'il aura beaucoup plus de sens plus tard. C'est d'ailleurs la seule fois dans tout le jeu où le mot pâle sang n'apparaît pas entre crochets en japonais. Est-ce que c'est une erreur, un oubli, ou est-ce que c'est volontaire? Je ne le sais pas.
tenue noire de Yargul. Épaisse tunique noire portée par les chasseurs du village invisible. Les chasseurs de Yargul sont sous les ordres des fondateurs du village, l'école de Mensis. Ce sont des kidnappeurs qui se fondent dans la nuit grâce à leur tenue. Principalement conçus pour offrir une défense face aux attaques physiques, le tissage serré permet de protéger son porteur et de repousser ses ennemis. C'est la tenue portée par les kidnappeurs du village invisible de Yargul qui répondent aux ordres des fondateurs du village, l'école de Mensis. Cette tenue offre une bonne défense contre les dégâts physiques. En japonais, il est précisé qu'ils n'ont de chasseurs que le nom. Autrement dit, leur occupation première n'est pas de chasser des monstres, mais de kidnapper des personnes pour l'école de Mensis. De plus, la dernière phrase concernant le tissage serré diffère. Cette phrase fait en fait référence à la corde qui sert à la fois de protection pour son porteur grâce à un sort, ou pour la capture, sous-entendu de potentielles victimes de kidnapping. Il s'agit de la tenue portée par les chasseurs que l'on avait croisés à droite de la grande cathédrale. Il s'agit donc de kidnappeurs qui agissent pour le compte de l'école de Mensis. On retrouve dans cette tenue la fameuse corde, un accessoire qui leur permet de restreindre les mouvements de leurs victimes, accessoire dont on a déjà discuté et qui apparaît sur différentes tenues des chasseurs et qui faisait aussi partie de la panoplie des profanateurs de tombes des 18e et 19e siècles qui étaient chargés de déterrer des cadavres illégalement pour fournir certains médecins pour les aider dans leurs recherches médicales. Et on avait vu également que certains médecins de cette époque ont fait l'objet d'enquêtes pour meurtre, toujours dans le cadre de la recherche médicale. Des mœurs assez raccord avec le setting proposé par l'histoire de Bloodborne. Un petit détail intéressant, c'est que mourir contre les deux kidnappeurs qui travaillent pour l'école de Mensis présents à droite de la grande cathédrale ne ramène pas à Yargul le village caché. Papier de foudre. Papier grossier conférant la force de la foudre à une arme lorsqu'on le frotte dessus. Inventé par l'excentrique Archibald de l'atelier de l'église du Remède, il recrée artificiellement les étincelles bleues que l'on dit entourer les sombres bêtes. Au contraire des autres armes inventées par Archibald, celle-ci était fort appréciée des chasseurs, surtout de ceux qui avaient déjà vu une sombre bête. Conçue par Archibald l'excentrique qui travaillait à l'atelier de l'église du Remède qui se situe derrière la chapelle de Donne, les papiers de foudre servent à recouvrir les armes d'étincelles bleues semblables à celles des sombres bêtes. On a peu d'informations concernant Archibald, mais apparemment, c'était une personne qui s'occupait de créer des armes pour aider les chasseurs dans leur chasse.
Tonitrus, arme trompeuse conçue par Archibald, excentrique à la sombre réputation de l'atelier de l'église du Remède. Ce fléau d'arme particulier génère des étincelles bleues enveloppant une sombre bête lorsqu'il est activé. Pour des raisons inconnues, les chasseurs de l'époque d'Archibald n'ont pas été entièrement convaincus par cette arme en fer. Une autre arme conçue par Archibald l'excentrique. Contrairement au papier de foudre, le tonitrus n'est pas une arme qui a été appréciée par les chasseurs contemporains à Archibald. Encore une fois, on retrouve la mention des sombres bêtes qui ont inspiré Archibald dans ses travaux. Si la collectrice d'yeux se saisit du joueur, elle va essayer de lui retirer ses yeux. Oh!
En japonais, le nom de Parle Sombre Bête signifie littéralement « Parle la bête noire ». On sait enfin ce qu'est une sombre bête, dont on entendait parler dans les descriptions des papiers de foudre et du tonitrus. C'est la première fois qu'on croise ce genre de monstre dans le jeu. Comme l'indiquaient les descriptions qui se référaient aux travaux de Archibald de l'Excentrique, les sombres bêtes peuvent générer des étincelles bleues. L'OST de Parle Sombre Bête diffère énormément de ce que l'on a pu écouter jusqu'ici. On retrouve les mêmes instruments qu'auparavant, mais utilisés différemment. Même si on ne l'entend pas forcément vu que le boss et ses effets électriques sont très bruyants au début du combat, cette OST débute par des bruits sourds séparés par un intervalle de temps fixe qui m'ont toujours fait penser à une scène mythique du cinéma hollywoodien. Juste après cette introduction, on entend un bruit aigu et percutant qui est assez caractéristique de certains films ou jeux vidéo lors d'un jumpscare par exemple. Même si Bloodborne dispose de nombreux éléments renvoyant à l'horreur tant dans ses thèmes, son design ou sa musique, le thème de Parle joue beaucoup plus sur la peur de l'inconnu et l'aspect mystérieux plus que sur la peur de la monstruosité que le chasseur affronte. Ce sentiment-là est transmis par l'effet très aérien de cette OST. Il s'agit d'un monstre, comme ceux que l'on a affrontés plus tôt, et pourtant l'OST est si différente en termes de structure et de sentiment qu'elle cherche à transmettre aux joueurs. En musique, il y a généralement deux plans distincts et séparés, qu'on définit par l'harmonie, c'est le fond sonore, et la mélodie. L'harmonie supporte la mélodie, qui va être l'air que le cerveau va retenir en priorité, et la partie de la musique qu'une personne pourra chantonner. On ne chante jamais l'harmonie. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour un non-initié en musique de comprendre ce qui fait partie de la mélodie et ce qui fait partie de l'harmonie. Il suffit simplement de chanter une chanson. C'est parce qu'elle sert de support à la mélodie que l'harmonie se doit d'être assez discrète et ne pas prendre le pas sur la mélodie, sinon ça crée une confusion. Encore une fois, je simplifie ici au maximum, parce que dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mon but n'est pas de donner des cours de solfège avec ces apartés musicaux, mais d'extraire de ces OST des informations intéressantes. Cette OST présente justement une autre technique de composition qu'on appelle le contrepoint rigoureux ou contrepoint. Ce procédé de composition réside dans le fait de superposer plusieurs mélodies à la fois, ce qui rend impossible pour une seule personne de reproduire la musique en chantonnant, puisque deux mélodies jouant des choses totalement différentes peuvent être entendues en même temps. Beaucoup de musiques de Bloodborne utilisent ce procédé de composition, et celle-ci en fait partie. Après l'introduction percutante de cette OST, on a deux motifs bien distincts. L'harmonie au deuxième plan qui joue des notes brèves et graves, et la mélodie qui est plus aiguë avec des notes un peu plus maintenues. Ces deux motifs servent à créer un sentiment angoissant et utilisent des techniques dont on a déjà parlé. Puis apparaît un troisième motif, de plus en plus aigu. La manière avec laquelle ce motif joué au violon apparaît rappelle des choses que l'on a déjà vues par le passé. Dans la musique de la phase 2, on retrouve des violons qui jouent des notes plus aiguës, pour ajouter un aspect très angoissant à la scène.
ça peut aussi rappeler un passage précis dans une musique que normalement vous commencez à bien connaître, si vous ne sautez jamais l'introduction de mes vidéos. Ce motif-là joue le rôle de deuxième mélodie qui sonne très aérien, c'est la part mystérieuse de l'OST. Cette seconde mélodie sert aussi de transition et finit même par remplacer la première mélodie qui était assez angoissante. On passe d'une OST doublement angoissante à une OST angoissante mais aérienne à la fois. Si avec le monstre affamé ou avec le père Gascogne, on pouvait y voir l'horreur ou la frénésie de la chasse ou d'une course-poursuite, même sans avoir l'image du jeu sous les yeux, ici c'est un peu plus complexe de savoir ce qu'il se passe sans avoir de contexte, puisqu'il y a deux sentiments contradictoires qui se dégagent de cette musique. Arrive ensuite une autre transition, qui comme à son habitude, fait partie du registre horrifique, et des chœurs apparaissent en sublimant le côté aérien presque reposant même. Ces chœurs ont presque un côté angélique qui contraste totalement avec l'harmonie angoissante qui n'a pas du tout changé depuis le départ. Les seuls instants de ces chœurs qui renvoient au côté inquiétant, c'est lorsqu'ils partent dans les notes extrêmement aiguës. Puis apparaît de nouveau la mélodie qui sert une nouvelle fois de transition vers une autre partie de l'OST qui, elle, vient rappeler au joueur qu'il n'est à l'abri nulle part, il reste menacé. C'est une longue transition qui va servir à introduire la deuxième partie de l'OST utilisée pour la phase 2 du combat. Cette transition d'ailleurs signe le retour d'un tempo plus rapide et des motifs qui vont progresser toujours plus vers l'aigu, pour provoquer un sentiment de malaise, une tension chez le joueur. Et la transition se termine pour faire place de nouveau au chœur supporté par des instruments avant qui jouent un motif lent aux notes soutenues. Il se dégagerait presque un sentiment mélancolique à ce moment-là de l'OST. Mais malgré tout, c'est toujours le côté mystérieux qui domine dans cette musique. Ce sentiment occupe la majeure partie de la phase 2 du combat. Tout cet aspect mystérieux est en plus appuyé par le fait que nous qui pensions avoir tout vu dans le monde horrifique de Bloodborne, il reste encore des entités étranges qui l'habitent. Souvenez-vous qu'il y a 5 minutes à peine, on ne savait même pas que des sombres bêtes existaient dans l'univers de Bloodborne. C'est en traversant Yharghoul que l'on a rencontré ce nom pour la première fois et cette zone se conclut par un combat contre l'une d'entre elles. À la première découverte du jeu, je pense que le but recherché par les développeurs ici, c'est de faire que le joueur se demande qu'est-ce que je viens de combattre là ? Et de le laisser plein de questions en tête, mais aussi et surtout de le préparer à rencontrer des choses encore plus étranges. Pour le moment, et si le joueur n'a pas encore mis un pied dans le tombeau des dieux qui lui aussi renferme tout un tas de monstres étranges, mais c'est un contenu optionnel, ne l'oublions pas, il n'a combattu que des monstres résultat d'une transformation d'un être humain en monstre.
Parfois, la transformation a lieu sous les yeux du joueur, comme le père Gascogne ou la vicaire Amélia par exemple, et parfois pas, comme avec le monstre affamé ou le monstre clérical. On comprend néanmoins que le monstre clérical provient d'une transformation grâce au badge de chasseur épée, ou à la cinématique de la vicaire Amélia. Quant au monstre affamé, on peut toujours voir des caractéristiques humaines dans son design. Donc ces monstres bien corrifiques conservent un aspect humanoïde. Mais le chasseur n'a pas encore rencontré de monstre squelettique gigantesque qui peut produire des arcs électriques. Le monde de Bloodborne étant assez ouvert, il n'y a pas de logique d'exploration, même si ça ne se voit pas tant que ça avant les bois interdits justement. Et Yharghoul, c'est une zone optionnelle à ce moment-là du jeu. Cela dit, on y reviendra plus tard de manière scriptée cette fois-ci, mais Parle étant un boss assez faible d'un point de vue de sa défense, il me semble vraiment que l'objectif des développeurs était de faire en sorte que le joueur puisse le vaincre bien avant le moment où l'on est censé pénétrer à Yharghoul de manière scriptée plus tard dans l'aventure. C'est purement un avis personnel, mais il y a vraiment deux grands axes dans Bloodborne, et les deux sont séparés par un événement bien précis. Parle, de par sa nature étrange puisque c'est un monstre magique en quelque sorte, se situe selon moi entre les deux, comme s'il faisait une transition entre les deux parties majeures du jeu. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi de l'inclure à ce moment-là de l'aventure, puisque ce qu'il y a au-delà des bois interdits va impacter de manière définitive plusieurs aspects du jeu en termes d'histoire. Pendant la phase de promotion du jeu, on pouvait trouver sur le site internet de PlayStation quelques informations intéressantes concernant les sombres bêtes. La sombre bête. Le long corps sinueux de cette bête est composé presque entièrement d'os. Elle attaque ses victimes avec des mouvements hachés et erratiques, tout en déchargeant des courants électriques à travers son corps tordu et ancien. Avec sa forme osseuse et son crâne couvert de rides, on dit que cette bête doit être très vieille, très ancienne. Ou peut-être est-elle un héritage de la ville pestiférée. En tuant Parle Sombre Bête, on récupère le badge de chasseur étincelle. Badge de chasseur étincelle. Badge des amis créé sans autorisation par Archibald, l'excentrique de l'église du Remède. Archibald était fasciné par les étincelles bleues émises par la peau des sombres bêtes. Il passa sa vie à tenter de les recréer artificiellement, suivant une méthode de recherche qui se révéla très proche de celle de Burgenworth. C'est un badge créé par Archibald de l'Excentrique qui travaillait à l'atelier de l'église du Remède. Ce qui est intéressant dans cette description, c'est que Archibald a créé ce badge sans l'autorisation de l'église du Remède. On a pu voir depuis le début de l'aventure que l'église du Remède est l'institution qui est aux commandes à Yharnam, et que c'est elle qui autorise ou interdit tout ce qu'il s'y passe. Pour ses recherches sur les étincelles bleues des sombres bêtes, Archibald s'est inspiré de Burgenworth. Ce qui montre une fois de plus l'influence qu'a eu Burgenworth au sein de l'église du Remède. Ce badge sert à débloquer les papiers de foudre et le tonitrus dans le magasin du rêve du chasseur. Depuis l'arène de combat contre Parle Sombre Bête, on peut voir que Yharghoul est protégé par de grands murs, empêchant toute personne de l'extérieur de voir ce qu'il s'y passe à l'intérieur.